ADN. Voilà, le genre est génétique, on va dire. Voilà. C'est vous qui nous dites. C'est 2 400 000. Plus de 2 400 000, c'est ça? Mm-hmm. Voilà. Donc, de plus de 2 400 000 personnes. Hein. Mm-hmm. Et quand on disait tout à l'heure, parce que on prend l'exemple que dans la pièce où nous sommes là, par exemple, mm-hmm. si tu mets là un ordinateur, tu mets là ce poste-téléviseur, mm-hmm. tu mets là ce ventilateur, ou pas. Ça veut dire que plusieurs appareils, tu les connectes là à l'électricité, la chaleur va changer ici. Des deux chaleurs. Parce que ces appareils connectés à cette énergie vont émettre des ondes qui à un moment donné peuvent commencer à dégager et à chauffer. Dégager de la chaleur. Soit ces appareils dégagent la chaleur, soit elles peuvent dégager. On a une autre oxygène. Ça peut être une température basse, selon que ces appareils sont programmés pour accomplir une mission dans l'environnement où ils sont. C'est ça. Bon. Donc c'est ce qui fait que, imagine, tu prends comme ça 1 million, 2 millions, ils sont connectés à une source d'énergie spirituelle. C'est-à-dire que ces individus dégagent, émettent des ondes qui émanent de la sphère spirituelle à laquelle ils sont connectés. Et c'est ça qui influence l'environnement. C'est ce que je disais hier à Angeline, parce qu'elle disait qu'elle voit que le Cameroun change très très rapidement, il rejoint le Nord. Par exemple, comme la Martinique, comme je lui disais, en fait, ça c'est, dans le fond, l'analyse n'est vraiment pas très objective. Tu comprends bien, parce que on peut le voir comme ça dans la dimension apparente. Mais pour mieux comprendre le degré de l'évolution d'un peuple ou d'un environnement avec les forces invisibles, il faut voir ça dans son architecture. Comme on dit, l'architecture, c'est un langage. C'est-à-dire que plus un peuple pousse des liens avec la sphère spirituelle qui font partie de l'univers, plus il possède en lui la capacité de transformer son environnement, de l'organiser. Vous voyez bien, l'organiser, parce que c'est un mot de langage très, 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 très poussé. Bon, et quand tu vois un peuple qui fonctionne, c'est-à-dire où le désordre est ambiant, dans son espace environnemental, ça montre qu'il est sous l'influence des forces spirituelles, bien sûr, contrôlant l'univers, mais il n'a pas de liens conscients poussés, des liens poussés, ni très très poussés, ni conscients. Vous voyez, c'est ça. D'ailleurs, vous verrez par exemple que quelqu'un qui a des liens très très poussés avec le démon, il est dans une dimension de maîtrise apparente de soi. Alors qu'un individu qui est monté par les mêmes démons, mais pas vraiment avec des liens très conscients, il est très brut. Très très brut. Très brut. Bon, l'autre qui a des liens très très poussés avec les démons, parce que c'est les démons en réalité, ils n'extériorisent leur identité que quand ils sont en face d'une force supérieure à elle. À eux, pardon, merci. Supérieur à eux, ils les poussent hors d'eux. Ils sont obligés de s'exprimer clairement.
Mais tant qu'ils sont en face d'une force qui leur est inférieure, ils restent introvertis. C'est-à-dire qu'ils restent cachés dans leur identité. Voilà. Oui, donc c'est ça, donc un individu qui a des liens très très poussés dans cette dimension. C'est-à-dire qu'il est dans une selon la mesure, de, selon les événements en face de lui, il a la, quand, plus il a la maîtrise de ces événements, plus il reste caché, voilé. Tu vas le trouver, tu dis, mais il est très gentil, ouais. Mais vraiment c'est quelqu'un de très patient, mais, alors qu'en réalité, c'est un lion, un dragon, mais dont l'identité est totalement cachée à l'intérieur. Bon, un autre individu qui, lui, est sous le contrôle des mêmes forces, mais pas vraiment avec un lien très conscient. Il est très brut, tu vas dire, mais lui, il est très très méchant. Mais alors que dans le fond, il est brut. Il est totalement brut, embryonnaire, brut. C'est-à-dire tout comme ces mêmes démons peuvent utiliser un chien quand tu passes dans le champ, une pulsion, tu poursuis, tu es mort. Par exemple, il n'a pas été le pouvoir se maîtriser par. Donc, c'est à peu près ça le lien. On peut identifier un environnement, son degré de lien avec. C'est là où tu vas comprendre que quand tu vas là, tu comprends que la France, ce n'est pas la même représentation de Satan que le Cameroun, par exemple. Tu vois comment le désordre est maîtrisé. Il donne un visage de l'ordre, mais qui est dans un désordre dans la dimension avancée, évoluée. On pourrait même dire. On peut dire plus loin dans son paroxysme. Tout est contrôlé. Tu vois? Donc, c'est ça. Et donc, ça veut dire que les. Donc, à partir de là, c'est ce que je voulais dire, c'est que, dans la mesure des liens que cet environnement, les humains qui composent cet environnement-là, ont avec ces forces spirituelles, ça dégage des ondes. C'est-à-dire une attraction. Donc, le champ, le poids ou le volume du champ magnétique n'est pas le même dans des environnements comme. Comme ici, comme le Cameroun. Bon, et puis quand tu es sensible spirituellement, qu'il y a le discernement, tu peux comprendre que un environnement, par exemple, comme la France, ou alors comme l'Europe en général, tu peux comprendre que le degré de lien que la nation a avec les forces ascendantes qui s'appuient sur la nation pour s'exprimer, tu peux le ressentir sur ce que ça dégage comme onde, comme influence, comme attraction. Donc, au point que ces ondes-là influent sur tout ce qui est, tout ce qui compose cet espace. Donc, c'est de ça que nous étions en train de parler, et puis parler de la démographie de Yaoundé. Ça, moi, je ne l'avais même jamais presque regardé. Où il disait que, c'est vrai, que Yaoundé est à plus de 2 500 000 habitants. Je ne sais pas si vous le. C'est vrai qu'on a. Ah oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un flux important de personnes qui partent des différentes régions. Exactement. Et même d'ailleurs. Exactement. Qui font conscience de la population. Exactement. Et puis donc. Toujours sur la base de ça, hein, on est en train de dire que qui dit personne humaine dit des esprits dans le corps. Bon, il faut bien voir que quand il y a 1 million, quand il y a 2 millions, combinés aux forces supérieures, c'est-à-dire fonctionnant à partir d'un lien avec les forces supérieures, même si elles font partie de l'univers. Ça fait quand même un important volume d'énergie qui se dégage. Tout à fait. Oui, un volume d'énergie qui se dégage de telle manière que plus tu es dans la proximité de cette concentration humaine, plus il y a l'influence. Oui, automatiquement, dans les pensées, dans les désirs. Des fois, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Dans la pensée, dans le désir, c'est-à-dire qu'en fait, ces forces-là influent sur tout ce qui sont autour d'eux. C'est pour ça que l'environnement occidental est plus compliqué que, par exemple, l'environnement du Nord. Tu voulais dire le Sud. Oui, l'environnement du Sud. Oui. C'est pour ça que l'environnement du Nord est plus compliqué que l'environnement du Sud. Parce que même s'il y a une concentration humaine, au niveau, par exemple, de villes comme Yaoundé, le niveau de lien, le niveau de combinaison, de mariage avec des forces invisibles n'est pas au même degré. Donc il y a bien sûr un champ, des forces qui se dégagent
qui influence tout ce qui est autour. Donc, je vais leur donner un exemple en parenthèse, que par exemple, dans la salle où nous sommes là. C'est-à-dire que, imagine, tu mets là un ordinateur, deux ordinateurs, trois ordinateurs, quatrième. Tu as rempli cette salle d'ordinateurs. Tu les branches là à l'énergie électrique, ça va changer la température. Oui. Ouais. Parce que ces ordinateurs sont des supports d'énergie. Et c'est comme ça que nous sommes aussi, nous les humains, des supports d'énergie. Ça veut dire qu'à un moment donné, si la température était basse, tu vas voir que la température va changer dans la maison. Il va commencer à faire chaud. C'est-à-dire, comme tu es un peu habillé, tu vas voir qu'à un moment, tu vas sentir qu'avec la chaleur que nous dégageons, c'est-à-dire les ondes que nous dégageons, ajoutées à ces ondes-là, ça va tout changer à l'intérieur. C'est même valable pour la personne. Oui. Quand tu es seul dans une pièce, c'est moins chaud que s'il y a 20 personnes qui rentrent. D'ailleurs, que les humains sont plus, dégagent plus d'énergie que les appareils. Plus d'énergie que les appareils. Donc, c'était ça le phénomène sujet. Donc, ce qui fait que quand tu es au milieu d'une concentration de personnes comme ça, parce que toutes ces personnes-là sont combinées à une, et sont des supports d'énergie, pardon, des portions d'énergie qui servaient de support à une source d'énergie. Quand ce n'est pas le créateur, nous avons cette source d'énergie proche de notre univers. Donc c'est ça qui va influer sur l'environnement. Donc de telle manière qu'on ressent comment ça dégage ces ondes, ça dégage cette force, ça dégage cette puissance. Donc plus l'environnement a des liens très poussés avec la sphère spirituelle ascendante par rapport aux éléments matériels, plus sur le plan spirituel, c'est très lourd, c'est très oppressant. Et puis à certains moments, on peut le vivre, on peut le subir sans comprendre ce qui se passe. Mais la réalité, c'est cela. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui fait que pour les plus avertis, comprennent clairement ces phénomènes. C'est-à-dire qu'on prend le président de la République, le président du Cameroun. C'est-à-dire que quand il a un pays de 30 millions d'habitants, si vraiment c'est un homme très averti, il sait que lui, il est la représentation d'une force suprême. S'il est très averti. Maintenant, la démarche, c'est que l'ensemble de la population soit combinée ou connectée à cette force-là. Donc, c'est-à-dire que la population soit en train de penser par cette force. Donc, collectivement, de faire appel, quoi, à cette force, par les désirs, par les pensées, par les envies, parce que ce sont ces forces qui influent. Donc, au final, c'est la personne qui est consciemment la représentation de ces forces qui bénéficie de la prière collective. Oui, de cette invocation collective. Parce que j'ai appris dernièrement que M. Sassou Nguesso, il avait... comme s'il avait financé une campagne de prière dans son pays. Quelque chose comme ça. J'ai lu ça quelque part. Mais imaginez quelqu'un comme Denis Sassou Nguesso, qui est présenté comme, entre guillemets, un grand maître de la femme maçonnerie. Bon, ça veut dire un sorcier conscient. Bon, qui sait clairement que... C'est quoi, c'est le Congo, hein, le Congo. Qui sait clairement que la population congolaises sont des entités connectées à la source d'énergie dont lui est supposé représenter. Donc il sait clairement que ces gens-là, dans leur activité, spirituelle dans laquelle ils se trouvent par leur désir, ça lui bénéficie. Et souvent quand il encourage ça, les gens qui encouragent, ils croient qu'il les encourage à invoquer le Créateur. Alors que lui sait simplement que le peuple est dans une activité dont il est, lui, le premier bénéficiaire. Voilà, donc c'est de ça que nous étions en train de parler. Que si vous voyez même très très bien, je pense que c'est ça même qui fait la différence entre la force des nations. Par exemple, que vous voyez la France, ce sont des États très conscients, ou comme les États-Unis, ou l'Europe en général, très conscients de la combinaison qui existe entre eux, entre leur peuple et les forces invisibles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans une activité d'invocation consciente des forces du mal. Et ces forces-là, leur impact dans l'environnement est très puissant. Bon, nous avons d'autres peuples, par exemple, où les gens sont dans cette activité de manière inconsciente.
de manière inconsciente. Donc l'efficacité ne peut pas être la même. L'influence que ces nations-là ont sur le monde ne peut pas être la même. Parce qu'on n'est pas au même niveau de conscience, tu vois, mon frère. Parce que tel que nous sommes là, même par rapport au retour vers le Créateur, c'est-à-dire plus tu t'élèves dans le lien avec le Créateur, l'activité, ton activité, l'impact de ton activité spirituelle avec le Créateur ne peut pas être la même que la mienne. C'est-à-dire selon ton degré de conscience. Et c'est à peu près comme ça que notre monde fonctionne. Mais ceux qui sont à la tête, ils sont très conscients. Très, très conscients de cela. Très conscients de ce phénomène-là. Et c'est, donc ça fait que quand on observe, bien cela, on élargit, c'est le partage. Quand on observe très bien, c'est que chaque esprit humain qui rentre dans cet espace, cet esprit humain qui rentre ici. Imaginons, j'ai une femme, avec ma femme, nous allons ensemble, nous sommes des consciences. Mais en réalité, qui forme une. Conscience, ça veut dire une identité, une personnalité. Voilà. Donc, qui a des caractéristiques. Bon, maintenant, si l'identité qui est en nous, par exemple, n'est pas découle pas directement du Créateur, c'est-à-dire nous ne sommes pas sa projection, ce n'est pas lui qui se projette en nous. Nous avons une identité, mais ne venant pas de lui, vient quand même d'ailleurs, donc qui est dépendant de l'autre. Donc ça veut dire que ce qui sort de nous porte nos germes, et au-delà de nos germes, porte les germes de l'autre sphère dont nous sommes dépendants. Et tu vois, le roi David disait à sa mère, il disait au Créateur, « Ma mère m'a conçu dans le péché, c'est-à-dire dès le sein de ma mère, je porte en moi les stigmates de l'autre. Selon la racine. Parce que ce qui sort de nous ne vient pas. D'ailleurs, ça sort de nous. Hein. Ça dit, on lui dit, ce qui est né de l'homme est, ce qui est né de l'humain est humain. Bon, maintenant, selon la sphère à laquelle dont nous sommes dépendants, ce qui sort de nous porte directement ces germes-là. Même si après, ça va être sanctifié selon le Créateur. Donc, ça fait donc que cet individu-là, quand il rentre là, en fait, son identité s'est construite à partir de la sphère donc le parent est dépendant. Or, le parent lui-même, il a une identité, on peut dire, qui est collective, c'est-à-dire par rapport à, on peut dire, à la nation où on est. Bon, ça veut dire que l'individu qui rentre là, les repères qu'il reçoit le conditionne à adorer. Le conditionne comme ça. Il est conditionné comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas fonctionner autrement. Parce que l'identité qui est construite en lui, si elle ne vient pas du Créateur, elle vient forcément de l'autre sphère spirituelle. Donc c'est cette sphère qui va se projeter au travers de cet individu. Ça veut dire que c'est cette sphère qui pense par l'individu, c'est ce que pense cette sphère, c'est ce que pense cet individu. La compréhension de cet individu ne lui est pas propre, elle vient de cette sphère-là. C'est-à-dire de la même manière qu'imagine bien que c'est l'identité du Créateur qui s'est construit en nous. C'est-à-dire le regard du Créateur est le nôtre. Ce que pense le Créateur, c'est ce que nous pensons. Parce que nous n'avons pas d'identité hors de lui. Comme on pouvait dire le Maître, je suis dans mon Père est en moi. Donc ce que pense le Père, c'est ce que pense le Messie. Le regard de son Père, c'est son regard. Si tu lui enlèves l'identité de son Père, il n'a plus d'identité. Il n'est plus du tout. Voilà. Donc il va falloir qu'il se construise une autre identité. Mais peut-être c'est l'autre qui va construire son identité en lui. Donc, on rentre comme ça dans l'univers. Donc, nous sommes conditionnés pour dépendre de l'autre, dans la dépendance, vis-à-vis de l'autre. Donc, on fonctionne de cette manière-là. Donc, ce qui fait que tu as un individu comme ça, tu en as deux, tu en as trois, tu en as quatre, tu en as cinq. Donc, en réalité, tu as sur la Terre ces forces qui se projettent au travers des individus. Donc c'est ça qui influence l'environnement dans lequel on peut se trouver. Donc ça fait que, comme en nous il y a une dimension spirituelle qui fait de nous des êtres actifs spirituellement, c'est-à-dire actifs dans la pensée, dans le désir, on est actifs spirituellement, c'est ça même la vraie racine de la prière, on est actifs. C'est-à-dire que je ne prie pas, c'est parce que je suis rentré dans la chambre, pour fermer la chambre de prier. Donc finalement je prie, mais ma prière ne s'inspire que de ce que je suis. Or, ce que je suis vient de l'autre. Donc, finalement, c'est l'autre qui s'invoque en moi. Donc, ceux qui sont à la tête du monde sont conscients du jeu. Tu vois très bien, ils sont très conscients du jeu. La construction même de l'identité des hommes ou des nations réside dans cette dimension-là. Donc, pour que les nations collectivement soient en train
d'invoquer le, ou alors l'autre en eux sont en train de s'invoquer. Bon, et puis après, on voit clairement que ce qui se passe finalement, on voit que l'espace devient un champ magnétique effroyable. Donc, comme je disais, c'est champ magnétique parce que c'est comme si on peut remplir les ordinateurs dans cette salle. Ça devient un champ magnétique terrible qui dégage des forces inouïes. Donc, on voit que l'univers devient un champ magnétique terrible. Donc, ce champ magnétique qui influe sur les pensées, sur les désirs, personne ne contrôle plus ses pensées, personne ne contrôle plus ses désirs, personne ne contrôle plus ses projets, personne ne contrôle plus son caractère, son comportement, parce que ce sont ces forces qui influent. Oui, donc, et ces gens-là, percevant clairement la source, ils savent que ce conditionnement fait en sorte que s'il n'y a pas déprogrammation, il n'y a pas possibilité que l'individu fonctionne autrement. Parce que il y a des objets, par exemple, que nous avons, quand tu prends un lave-linge ou un lave-vaisselle, c'est un système qui a été programmé pour fonctionner. C'est-à-dire que ce lave-vaisselle, lave-linge, on lui a donné une trajectoire de fonctionnement. Si tu veux changer sa trajectoire, il faut le dépiécer entièrement et le remonter. Tu vois, sinon, il ne peut pas. Si tu veux même forcer à le faire tourner autrement, tu vas voir que tu fais face à une lourdeur inouïe. Parce qu'il n'a pas été programmé pour ça. Donc, cet individu donc, qui a été programmé pour fonctionner à partir de l'autre, si tu veux changer son fonctionnement, ce qu'il faut détruire, c'est le programme. Il faut le reprogrammer autrement. C'est-à-dire le reprogrammer dans la dépendance vis-à-vis du père. À partir de là, ça devient naturel. Une force naturelle. Et c'est de ça que tu es en train de parler. En fait, on comprend que cette dimension-là, c'est même la politique réelle, c'est-à-dire c'est la vraie vision même réelle des nations. C'est-à-dire, quand on parle de la religion, il n'en existe pas en dehors de cette vision-là. Voilà. Les autres-là n'étant que des maillons qui participent à ce mécanisme. Donc ça fait qu'à un moment donné, on est écrasé par une lourdeur inouïe. Bon, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, c'est que cette lourdeur ne s'exprime que quand on veut nous amener à fonctionner à l'envers, c'est-à-dire selon... contrairement au programme, contrairement à la manière dont on a été programmé. C'est-à-dire, on veut fonctionner pour adorer le Créateur. Bon, mais quand il faut fonctionner selon la fonction pour laquelle nous avons été programmés, il y a la force. Parce que normalement, c'est cela. Et on peut le voir même dans des appareils. Quand tu as un ordinateur, il y a un programme. Bon, et ce programme, généralement, est pensé en fonction de la fonction que l'ordinateur doit réaliser. Si tu veux changer la fonction de l'ordinateur, il faut changer de programme. Tu le changes. Oui, ma chère. Oui. Pour le Messie, quand il était chez lui, est-ce que vraiment il a été influencé de la même manière? Oui. Voilà. Maintenant, la différence justement avec le Messie, c'est que le Messie, si on peut utiliser ce terme, hein, c'est-à-dire que quand tu le vois au niveau intérieur, contrairement à nous, c'est-à-dire... Je reviens toujours sur l'exemple que je connais. J'ai une femme, j'ai un enfant. Bon. Ce que nous sommes deux identités qui sont une. Mais ces identités sont dépendantes d'une sphère spirituelle. Si ce n'est pas le Créateur, c'est l'autre. C'est par lui que nous pensons. Donc ce qui sort de nous porte non seulement ce que nous... C'est le produit de ce que nous sommes et porte les germes de la sphère dont nous sommes dépendants. Bon. Et donc, ça fait que les premiers repères que l'enfant reçoit, il les reçoit des parents. Or, la sphère qui communique les repères à l'enfant, ce ne sont pas, c'est pas les parents directement, c'est la sphère à laquelle les parents eux-mêmes sont connectés. C'est-à-dire, la vision de soi, vision du monde, l'idée du progrès, ça ne vient pas de l'homme. Parce que nous disons que nous n'avons pas un regard qui nous est propre. Ça vient d'ailleurs. Bon, donc, ça fait que cet enfant, c'est l'autre sphère qui va se construire en lui. Ça ne veut pas dire que là, c'est perdu, hein, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est concerné par le rachat, c'est-à-dire par le retour. Bon, donc ça fait que nous sommes conditionnés à adorer l'autre, parce que nous n'avons pas d'identité de lui. Or, le Messie n'a pas connu cette construction-là. C'est-à-dire parce que le Messie n'est pas le produit de la combinaison entre un homme et une femme. Il émane directement de son père. Donc, il est vraiment le produit. C'est la somme des caractéristiques du Créateur qui pénètre l'univers au travers d'un corps. Donc quand il se développe, on peut dire, ce programme en lui
le rend le condition pour adorer son Père, pour manifester l'identité de son Père. Donc, totalement l'inverse de ce que nous, nous sommes. Tu vois très bien. Donc, à un moment donné, le fait que c'est parce que on peut dire que c'est son Père, l'identité de son Père qui invoque son Père. Et donc, il se développe pour, dans le revêtement des caractéristiques de son Père. Donc, il dégage là une force suprême qui, tu vois très bien, donc il ne peut pas, sur laquelle l'autre ne peut pas influer. C'est-à-dire que l'autre force ne peut pas influer sur lui les pensées, les désirs, les aspirations, la vision de lui. Au contraire, la force dont il est dépositaire, c'est elle qui influe sur le reste. Totalement différent. Voilà. Donc, ce qui fait que quand le Messie et moi, nous fonctionnons à partir de programmes opposés. Je ne peux pas marcher comme il avance. C'est impossible. Tu vois, parce que tu amènes même le Messie lui-même à fonctionner comme moi. Ce sera impossible. Il faudra qu'il soit déprogrammé pour être reprogrammé, afin qu'il marche comme je marche. Oui. Et maintenant, la suite de la question, c'est, il y a avant un programme aussi. C'est le terme que j'utilise. Selon le message, le message que je suis depuis, il y a un programme ou un plan que lui, le Créateur, il a. Oui. Et tu viens d'aborder peut-être ça de rachat. D'amener justement ceux-là qui ont été programmés différemment et qui sont totalement dépendants de cette sphère-là qui a vraiment du pouvoir sur eux, de les ramener à la conformité au Messie. Oui. Bon, maintenant, quand je dis, ben, pour réaliser ce programme-là, je compte sur quoi? C'est-à-dire sur moi. Je voudrais faire partie de ce programme du Père, ce plan de rachat-là. Je compte sur quoi, justement, pour devenir conforme au Messie? Puisqu'en fait, à la base, il y a ses forces et autres. Je compte sur ma force ou je compte sur celui-là qui peut? C'est ça. C'est-à-dire que déjà que compter sur ma force, j'en ai pas. C'est ça. C'est-à-dire hors de l'autre, hors du Père, hein? J'en ai pas. C'est-à-dire la seule que j'ai, c'est celle de l'autre. La seule que j'ai, c'est celle de l'autre. Parce qu'on peut voir cette force s'exprimer dans la pensée, dans les désirs. Parce que derrière, il y a une force. C'est ça qui nous pilote. Bon, mais imagine que mes pensées, tes pensées ne viennent pas de nous-mêmes. Donc finalement, ce n'est pas nous qui... Oui, qui avons la force. Donc, nous fonctionnons à partir de la force d'un autre qui nous pilote. Maintenant, s'il faut que je sorte de la force de l'autre, il faut bien que je bénéficie de la force suprême. C'est elle qui va annuler cette force qui est inférieure, qui est moyenne, à faire même en sorte que cette force-là devienne une force de service pour moi. Tu vois très bien, parce qu'à partir de ce moment-là, je suis bénéficiaire de la force suprême. C'est-à-dire, donc ça suppose que l'esprit que nous sommes, qui était possédé par l'autre, le Créateur vient conférer à cet esprit une substance de lui. Donc cet esprit humain que nous sommes commence à penser son identité, non plus à partir de l'autre, mais à partir du Créateur. Oui, parce que comme nous fonctionnons, comme nous comprenons, ça veut dire que lorsque je reçois la compréhension qui vient du Créateur, elle annule cette compréhension que j'avais, pour commencer à m'amener vers celle que le Créateur me donne. Donc je rentre en marche vers la déprogrammation. Vous voyez bien, donc la première identité, ce que les Écritures appellent le vieil homme, qui a été construit en moi, doit être déconstruit au profit d'une nouvelle. Donc plus je rentre dans le nouvel homme, qui est une identité commune avec le Messie. Tu vois très bien, donc en réalité, je rentre dans un programme commun avec le Messie. Pour moi, ça devient naturel de marcher. Parce que le Messie ne me dit pas, Luc, je me place devant toi et tu me suis, n'est-ce pas? Mais il me dit, je viens en toi et je te tire. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, je viens en toi, ça veut dire que c'est une identité qui vient du Père, qui s'est construite. Plus cette identité prend de large, plus l'autre est supprimé. Donc, et jusqu'à ce que la nouvelle identité, on peut dire nouveau programme, donc, que mon Père construit en moi, qui m'amène maintenant à marcher. Donc, en fait, c'est comme ça. En dehors de ça, je n'ai pas de force. De la même manière que lorsque je dois suis tiré vers le Père, ce n'est pas par ma force, c'est la force qu'il est, qui m'amène. Parce que si tu ramènes la force vers l'identité, donc tu comprends que ce sont l'identité qui m'entraîne. De la même manière que de l'autre côté, c'est l'identité de l'autre qui m'entraîne.
Bon, mais l'autre, c'est là où l'autre est très subtil. Parce que pour le Créateur, quand il nous mène, il te certifie clairement que lui, Fabrice, ce n'est pas toi-même qui marche, c'est moi qui marche avec toi. Mais l'autre nous trompe que lui, c'est nous. Et nous, c'est lui, vous voyez bien. Donc ça fait qu'on est dans l'incapacité totale de savoir que ce n'est pas nous qui fonctionnons, que c'est lui qui fonctionne. Mais alors que le Créateur, lui, il clarifie clairement les choses en toi, en te disant, Nadine, cette force que tu vois se déployer, ce n'est pas toi. Si je t'en vide, tu vas devenir comme un morceau de bois. Vous voyez, c'est ça. Mais l'autre fait tout pour que nous ne le sachions pas. Parce qu'il sait que si nous le détectons, personne n'a vu Satan venir et dire à Satan, je vais te suivre. Vous voyez bien, donc c'est quelque chose dont il nous régit de manière très subtile. Voilà. Et c'est là où ceux qui coopèrent avec lui sont très méchants. Parce que des individus qui ont des liens conscients avec Satan, ils savent clairement que la construction de l'identité des nations, c'est sur ces mécanismes-là. Ils le savent clairement. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, ça fait du monde comme un laboratoire. Donc, ce laboratoire, tout individu qui pénètre cet univers doit être conditionné comme ça. C'est-à-dire à travers l'éducation que nous recevons, ça commence dans la maison. L'éducation formelle, toute la société est là pour canaliser cet esprit afin qu'il soit dépendant de l'autre et qu'il fonctionne comme un programme. Donc au final, le Créateur, quand il nous fait fonctionner, il fait de nous des entités intelligentes. Donc ça veut dire que ce qu'il confère à ma soeur, ce sont ses qualités, ses vertus, à partir desquelles tu penses, tu comprends, tu vois très bien, même si tu n'es pas indépendant de lui, indépendant identitaire, mais en fait, c'est comme plus Fabrice vient, il est doté de facultés exceptionnelles, il me les confère. Je vais arriver dans l'analyse de Fabrice à produire ce qu'il produit parce que je fonctionne à partir de ses facultés. C'est pas, tu vois, mais tout en sachant que je les reçois parce que ça me rend dépendant de lui. Je les reçois de lui. Ça ne fait pas de moi une entité détachée de lui, c'est-à-dire, je vais dire, indépendante de lui. Vous voyez bien, si je sors de lui, je ne suis plus. Mais l'autre ne nous t'amène pas à le comprendre. Il te fait croire que c'est toi-même qui es en fonction. Donc, ces gens qui dirigent, ils le savent clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre problème dans le monde que celui-là. Donc, ça veut dire que quand vous avez 7 milliards d'individus, quand vous arrivez à les conditionner comme ça, donc ils sont un support d'énergie pour la sphère supérieure qui est représentée par les individus. Donc, ils sont sa propriété au travers de laquelle il influence totalement l'environnement. Tu vois bien? Donc, finalement, si l'univers devient une sorte de matrice, une sorte de prison, c'est à partir de l'énergie qui se dégage au travers des humains. Parce que tu vas voir par exemple que très souvent quand il faut suivre un chemin inverse, ce qui complique, c'est ce qui se dégage des autres. Tu entends bien, ce qui se dégage des autres.